Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière pro avec mon pro et avec Montpellier tout simplement. On a 3 points de compétences, on va aller les mettre tout de suite. On va aller les mettre dans les dribbles. 30 000 de salaire, ouais, bientôt on va pouvoir investir. Tac tac tac. Là c'est parfait. On a combien de général? On est à 70 encore. Ok. Donc, dans cet épisode, il y aura un match face à... Déjà, on est premier de Ligue 1. On n'a toujours pas perdu, ça c'est parfait. Les entraînements, je vais les faire juste après ce match-là. Dans la semaine qui suit. C'est où le calendrier? Tac, calendrier, c'est là, tout simplement. Et dans cet épisode, match face à Strasbourg, Monaco, Lille et sûrement Toulouse. Si on a le temps, c'est parfait. Stade joueur Neymar, meilleur buteur. Est-ce que là, on est là-dedans? Non, on n'est pas là-dedans. Au niveau des passes décisives, on est le meilleur passeur décisif de Ligue 1. 4 passes 2 en 8 matchs, c'est parfait. Neymar, il est juste en dessous. C'est incroyable. On est devant Neymar du Brésil. Donc là, on va partir. Match face à Strasbourg. Ils sont 9e, je crois, si j'ai bien vu. Mbolo, Sissoko, Gueye, Ayork, Lienard. Ok. Ils ont une bonne équipe. En tout cas, nous, il y a Djiwai, Mavididi, Ojeda, Ferry, Savanier, ça bouge pas. Sako, moi ça. Homelin, meilleur gardien de Liga, hein, sûrement là en ce moment. Vu qu'on est la meilleure défense. Et on va partir tout simplement à Strasbourg pour le premier match de cette vidéo. Ok, nous voilà à Strasbourg. C'est parfait, on a un émoussé là. Ouais, qui donne le coup d'envoi. Il va falloir qu'on marque, qu'on fasse des différences pour remporter ce match face à Strasbourg. Conserver notre place de leader. Ouais, il fait n'importe quoi là. Concentre-toi, garçon. Première grosse frappe là de Strasbourg, c'est Mbolo là qui a eu la première occasion de ce match, mais bon, comme j'ai dit au début du match, on a le meilleur goal de Ligue 1, Homelin. Et là ça passe au-dessus, ok c'est parfait. Strasbourg ils sont chauds là, va falloir faire attention. Hein. Oh là là, Homelin, c'est quoi ça? Joue là sur le côté, joue là. Oh oui, parfait, le duel gagné. Oh mais c'est l'arbitre! Wow! Il met un coup à qui lui? C'est un fou malade. Tiens Wai, vas-y mon gars. Oh Wai, il est pas dedans là dans le match. Hein. J'aime pas comment il joue. Oh là là, Gueye, la frappe Homelin, il est trop fort. Mais il est trop fort notre gardien, il est trop fort. Pouah, parfaite la récup. Allez Wai, un bon appel là. Pour ma passe, elle est parfaite. Pff, la reprise aussi, elle est parfaite, juste avant la mi-temps. 1-0 face à Montpellier, encore une passe décisive pour nous. Meilleur passeur de Ligue 1, c'est l'objectif et on va le faire là. En plus, on est titulaire maintenant, donc ça va faciliter les choses. C'est parfait, ouais, la bonne reprise là, Paris qui fait un partout face à 3. Et là, on va tout simplement partir pour la deuxième mi-temps face à Strasbourg. Il faut garder notre avance, pourquoi pas marquer un deuxième petit but là, ça serait parfait. Pourquoi je risque d'être remplacé, j'ai fait quoi? Ouais, ça me met que ça. A mon avis, je vais être remplacé, hein, vu les notifs que ça me mettait, même pas. Pourquoi ça me met que ça là, en haut à droite? Bien joué, eh, Homelin, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Ah bah on est remplacé, purée. Chautard qui rentre à notre place en espérant qu'il gagne encore 1-0. Un partout. Purée, Thomasson qui marque à la dernière minute. Paris qui font 2-2 face à 3, Lyon qui gagne. Et nous on fait un nul aussi là, j'ai trop la rage. Alors qu'on gagne 1-0, s'il m'aurait pas sorti, on aurait gagné le match. Hein. Mais bon, il a voulu me sortir, on fait un nul. C'est dommage. Là, on va continuer d'avancer. C'est la trêve en plus. Leader passe décisif, hein, c'était ça. Match face à Monaco. Ils sont 9e, mais bon, ils ont 15 points. On n'a que 19 et on est 3e. Là, Rennes, ils sont devant nous. Rennes, ils font presque un... J'allais dire un sans faute, mais non, ils ont perdu 2 fois. Mais bon, ils ont 2 points d'avance sur nous. Lyon, ils ont une journée d'avance, donc là si on gagne, on passe 2e sûr.
Après, premier, c'est pas sûr, ça dépendra du résultat du Stade Rennais. Le PSG, ils sont cinquième. Ah ouais, ils ont du mal quand même, hein. Ils ont du mal, ils ont du mal. On va tout de suite partir pour le match face à Monaco. Goebbels, Muriel, Diatta. Ils jouent tous en 5-2-3 ou quoi? Sar, Biadiachile. Bon, on est parti à domicile face à Monaco. Un petit but là, ça serait pas de refus. Ok, on est là à devenir un joueur régulier. C'est ça l'objectif. On va devenir un joueur régulier, ça. C'est comme ça que les grands joueurs ils sont. Ils sont réguliers, c'est pour ça qu'ils sont forts. Donc, il va falloir être régulier à tous les matchs, être décisif. Et puis après, on fera partie des grands joueurs sûrement. Là, faire une bonne saison avec Montpellier. Après, on verra. Oh là là, c'est quoi cette passe ratée là? Faire une bonne saison avec Montpellier. Pourquoi pas remporter le titre de Ligue 1 ou dans le top 3. Et après, voir si on signe autre part ou pas, tout simplement. On verra bien. Wai qui part. Oh, c'est intercepté par Malang Sarr. Dans un match qui a débuté il y a seulement 8 minutes. Okay. Bien joué, Wai, la récup. Seul face à la défense de Monaco, mais bon, il y a un trou, donc on va y aller, on est la meilleure défense en plus. Attention, non, j'ai raté le face-à-face, mais Wai qui a bien surgi, il marque 1-0 pour nous face à Monaco. On est en train de gagner contre tout le monde, hein. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Là, dommage que ça rentre pas pour moi, en plus le contre, il est revenu sur moi, je crois, hein. C'est comme ça que Wai, il a eu la balle. Donc, je sais pas si ça m'a fait une passe D, je pense pas, hein. Je pense pas, je pense pas, je pense pas. Performance, si on va dedans, ça fait quoi? Ça dit que... Non, ouais, j'ai pas de passe décisive, c'est normal, c'est pas vraiment une passe. Je sais même pas si c'est moi qui l'a retouché en plus. Mais bon, Wai qui marque son 5e but de la saison face à Monaco, c'est parfait. Wouah, c'est quoi ça? La défense, elle est passive là, elle est inactive. Comment il peut mettre une remise comme ça? Personne bouge, lui il met la reprise au calme. Oh, c'est grave, hein, partout face à Monaco là. En plus c'est à cause de moi qui a eu le coup franc. Purée, ça fout la rage. Bien joué la récup. Oh la talonnade elle est parfaite. Oh pourquoi je fais une fente de frappe comme ça? C'est dommage là, ça a tout gâché. Faut pas qu'ils aient l'occasion. Bien joué mon gars. Pourquoi l'arbitre il laisse pas là? Là c'est laissé. J'aurais mis un petit à triangle par-dessus leur défense. Ouais, il serait parti. Ça aurait pu faire mal, mais bon, ça fait pas mal. Marseille qui gagne. Rennes qui font 0-0. Oh oui, c'est bien joué. La frappe. Pff, là-bas. Non. La frappe, elle était magnifique. C'est dommage. Je risque d'être remplacé encore. Mais oh. Pourquoi il met ça? Il va juste me remplacer parce que je suis fatigué là. On va rester ensemble jusqu'à temps qu'ils me remplacent du coup, hein. Un partout là. Dommage qu'on ne gagne pas. Après peut-être qu'on aura une dernière occasion. Ou eux. Aïe 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 aïe. Bien joué Omelin, bien joué, bien joué, bien joué. Il est vraiment fort Omelin, hop, on est remplacé, on joue 80 minutes en général. Et on a perdu 2-1. Purée, on va pas passer premier. Rennes en plus ils avaient fait un nul, Marseille qui gagne. Aïe 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 aïe, en plus on passe en remplaçant, donc il va falloir faire les entraînements, ce que je vais faire tout de suite, on va aller jouer carrément, du coup, activité pro, il y a un plus là dans activité, mauvais match, ah ouais j'ai fait un mauvais match, et remercie du soutien, postez sur les réseaux sociaux que vous n'étiez pas dans un bon jour, organiser un entrevue avec le coach pour évoquer, fixer une strat HTC, que c'était, rappeler à chacun. On va remercier du soutien. On va remercier du soutien. Hop. Expire dans 16 jours. Donc là, il y a Halloween. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Halloween? Faire de la muscu pour Halloween. Une école près du stade organise un lever de fonds pour vraiment participer en tant qu'invité spécial pour remettre aux enfants les prix des meilleurs déguisements. Ah mais je peux pas, il faut 100 000 euros. Ah ouais, chaud. Vente de charité d'Halloween, allez on se lâche. Fête d'équipe pour Halloween, participez à la fête organisée par l'équipe pour Halloween et illustrez-vous. Bah on va faire ça, on va faire Halloween. Avec l'équipe, tout simplement. Hop, donc ça c'est terminé, c'est parfait. Ouais, tac. Dans la boutique, qu'est-ce qu'on va faire?
On va, pourquoi pas, payer les frais de train. Non, on va pas faire ça. Est-ce qu'on achèterait une loge VIP? Non. Acheter un vélo haut de gamme. 25 000 euros le vélo, wesh. Acheter un tapis de course, 35 000. Oh là là. On va faire un. Installer une piscine à la maison. Ou soit on fait un don pour les animaux. Pour un refuge d'animaux. Ça peut être pas mal ça. Commander un costume haut de gamme. Non, on va faire un don à un refuge d'animaux. Boum, c'est parti. On leur passe 30 000 euros. Ça fait plaisir. Tac. Acheter un trampoline. Ouais, ça, on le fera plus tard, ça, garçon. Le trampoline, c'est pas assez important. Là, on va faire les entraînements. On va voir comment ça se passe. Du coup, prochain exercice. Tac, on va aller jouer pour essayer d'avoir une meilleure note que D à chaque fois, là. Protection de balle, dribble latéral, ok. Mais bon, on a eu un A quand même, c'est parfait. Donc on va bien progresser là, 3 points de compétence en plus. Malheureusement, on a eu un F. Ça, c'est grave. Dans l'atelier le plus facile, on a eu un F. C'est trop grave. Là, match face. Montpellier Hérault, c'est Halloween. Ah ouais? Ils disent quoi sur nous là? Ils sont fous ou quoi? Oh, y a plus. Pourquoi y a plus? Je serais bien parti lire, mais bon, y a plus. Donc là, match face à Lille, ils sont dixième. Ils sont dixième. On est combien? Nous quatrième. Ils ont 16 points. Ah ouais, s'ils gagnent, bah ils sont égalité avec nous, alors qu'ils sont dixième, c'est grave. Mais là, si on gagne, nous normalement 22 points, on passe devant Strasbourg et on est égalité avec Lille. Avec Lyon, mais ça va être très très dur de gagner à Lille, je pense. Bayo, Cabella, Linja, Bamba, André, Tchak Tchak, et on est parti pour ce match. Bamba, homme du mois, il a été élu homme du mois, ok, mais là, c'est pas notre copain, c'est pas je sais pas qui, c'est notre adversaire. Match face à Lille, très important. Viens en retrait, viens en retrait, viens en retrait. Oh, la passe, elle est parfaite! Non, pourquoi il finit pas? La passe, elle était parfaite là, dans le trou entre les deux. Après là, il a juste avancé encore un peu. Il peut avancer, bien tirer, mais non. Ok. Oh, dommage, dommage. L'enchaînement, il était bon, mais bon, la frappe, elle est pas trop soignée. Donc, ok, Milton, ici à Lille. 0-0, il y a eu très très peu d'occasions. On est parti direct pour la deuxième mi-temps là, face à Lille.
faut qu'on réussisse les objectifs. Donc il y a quoi? Il y a obtenir une note de moins 7,5, ce qui est hyper dur dans ce FIFA. Atteindre un taux de réussite dépasse de moins 50, là on est à 100%. Et adresser une passe décisive. Ok, ok. Faut absolument gagner, on le rappelle, si on gagne, on peut passer premier égalité avec Rennes normalement. À part s'ils n'ont pas encore joué leur match. Mais sinon, on peut passer premier ou sur le podium. Donc il faut absolument gagner ce match. Allez, là c'est une bonne occasion. Là c'est une très bonne occasion là. Pff, la frappe elle est pas dangereuse. Ok, la passe elle est bonne. Romé. Bien joué. Tiens. Mais lui. Oui, oui. Mais non, mais Wally. Dans les pieds. C'est grave comment il est nul dans le jeu, Wally. Trop nul, il sait rien faire. Zéro connexion avec lui, rien du tout. Rien. Il est nul, il m'énerve. Donc là, 0-0 face à Lille, il s'est rien passé dans le match. Il y a eu 5 tirs, mais bon, les tirs, ils ont fini au-dessus ou quoi. Donc Marseille, là, faut qu'il gagne face au Stade Rennais. Sinon, le Stade Rennais, ils auront un peu trop d'avance sur nous et sur les autres. Donc, faut absolument que Marseille gagne ce match face à Rennes. En espérant qu'ils ont gagné. Un nul sans but, c'est la pire des choses. Le PSG là, ils sont 6ème, égalité avec nous. Et du coup, Rennes, ils ont perdu face à Marseille. Ça, c'est parfait. Merci Marseille. Du coup, on est à 2 points du premier. Et c'est très serré. Hein. On est qu'à... Attendez, on a combien? On a 19 points. On est qu'à 3 points du 11ème. Donc, du 11ème au premier, il y a à peine 5 points d'écart. C'est grave. C'est trop serré là, c'est trop serré. Donc on va partir pour le dernier match de cette vidéo face à Toulouse. J'espère on va pas être remplaçant parce que j'ai pas fait les entraînements là. On va faire les entraînements vite fait. Normalement si on simule, tac. Juste là, on va le jouer celui-là pour avoir un A. Allez c'est parti. C'est parti. Vite. Hop, 3, 2, 1. On va mettre tous les buts là, c'est bon, il y en a marre. Tiens, bim. Déjà 1, déjà 2, on va faire un sans faute, 3, hein. C'est parfait, 4, c'est parfait, tout est parfait là, 5, ok, on va le réussir d'un coup celui-là, 6, allez, 7, c'est parfait, et, oh non, pourquoi je mets le plat du pied à la fin, du coup on a eu un C. Waouh, mais il faut mettre tous les buts pour avoir un A ou quoi? C'est dingue. Là, on va continuer. Tac, on est au niveau 9. 3 points de compétence en plus encore. On va aller mettre tous les points de compétence. C'est parfait. Tac, en plus, on est titulaire du coup. Progression joueur. Tac, on va aller les mettre dans des dribbles, hein, je pense. Tac, on va se rajouter une étoile de geste technique. Et après, on va mettre dans les passes en vrai de vrai. On va mettre ça ici. Voilà. On a 7000 en salaire. 71 de général. Le pro, il progresse bien. C'est parfait. On a pris un plus 2 depuis le début de la carrière. Donc là, match face à Toulouse. Ils sont 15e. Ils ont 11 points. Il n'y a personne qui a joué avant nous là. Donc, faut absolument gagner. Match face à Toulouse. On est parti. Il y a Duratao, LA, Abouklal, Vandenboom. C'est parti. À domicile, la foule, les 3 points. C'est parti là, Montpellier-Toulouse, un petit, je sais pas si c'est un derby ou pas, mais enfin un petit, petite rivalité peut-être du sud. En tout cas, c'est parti pour ce match. Voilà, ah ouais, genre il y a faute là, il abuse là, l'arbitre, j'ai rien fait, en espérant que ce soit pas dangereux. Non, ça va, c'est repoussé. Oh oui, c'est parfait. Le crochet, il est parfait. Comme à l'entraînement, c'est parfait. Voilà pourquoi on a terminé la finition à l'entraînement. C'est pour marquer en match. 1-0 face à Toulouse, on ouvre le score. Ça faisait longtemps que j'avais pas marqué en plus, que j'avais pas été décisif. Là, c'est parfait avec ce but. Le petit crochet là sur le défenseur toulousain. La frappe croisée, c'est parfait. C'est notre combienième but en Ligue 1 là? 5e but en 12 matchs. Tout est parfait, le stade il est en feu, nous on est en feu, on va gagner ce match, on aura les 3 points à la fin de ce match. Oh là là, l'interception elle est belle.
On enroule ça bien propre, c'est parfait. Bah oui, on était tout seul, le doublé il est signé. Anthony Thomas face à Toulouse, c'est parfait. Quelle frappe de loin là, en même temps on était tout seul. C'est un but solo là, je récupère la balle. Après l'enroulé, bon elle est un peu axale quand même l'enroulé. Hein. Le gardien de Toulouse il abuse, mais bon il est trop petit. Vu que ça le lobe un peu. La frappe elle est belle, sous la barre, c'est parfait. Ça fait un doublé pour nous, tout est parfait. C'est bientôt la mi-temps, une minute de temps additionnel. Il a, faut pas se prendre le... Oh là là, Omelin, la parade, y'a quoi? Ouah, y'a penalty. Omelin, il avait fait un travail de ouf là. Moi ça, t'abuses. Plus il se prend le jaune. Aïe, 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 il a fait quoi? Ah ouais, il tacle comme ça, c'est un ouf. Il l'a taclé alors qu'il avait même pas la balle, il abuse. Il abuse en espérant qu'Omelin il sorte le penalty. Et non, il se fait avoir 2-1 face à Toulouse là juste avant la mi-temps, ça va leur donner confiance. Mais bon, non, on va repartir du vestiaire aussi avec de la confiance. C'est pas normal qu'on se prend un but là juste avant la mi-temps. Lyon qui perd, Rennes par contre il gagne donc il reste premier là pour l'instant normalement. On est parti, deuxième mi-temps. Il faut faire attention à pas ce qu'ils égalisent. Pff, incroyable Ferry. Belle interception. Allez, on y va, on va en contre-attaque tous ensemble. Même si je suis KO. Je suis KO, j'ai plus de forme. Ah oui, 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 c'est bien joué. Oh non, je suis pas hors jeu, c'est des menteurs. C'est pas vrai. 87ème minute de jeu, on va faire le match en entier là. Wai qui est sorti, Kazri qui est rentré. Ok, on va rester ensemble. Hein. Il reste deux petites minutes, une minute maintenant. Là, ça va être fini carrément. Kazri qui aura même pas touché un ballon. C'est grave. Touche là, touche là, touche là. Ok. Bon, victoire 2-1 face à Toulouse. Ça, c'est parfait. Sur un doublé de nous-mêmes. Deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé d'autre. Hein. Donc, bah, tant mieux pour nous en vrai. On est homme du match. Ça, c'est parfait. On a eu que 3 tirs. Hein, 3 tirs. Les 3, c'est moi, je crois. Rennes qui ont fait 2-2. C'est parfait. Lorient qui ont gagné face à Lyon. Après, je sais plus qui était devant nous dans le classement. Mais là, normalement, on est très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite cinématique. Ah ouais. Je dois avouer que c'était plutôt impressionnant. Vraiment, je t'assure. Eh, c'est beau dans les vestiaires tout ça. Bon, maintenant quelqu'un veut te parler. Qui veut me parler? Wesh, c'est beau. Genre maintenant il y a tout ça dans FIFA là. Eh, on va parler à la presse. Ah, c'est notre coach qui veut nous parler. Ah ouais, propre. Eh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, continuez. Non, si on continue. On continue. Tout simplement dans la carrière, c'est parfait. Match à venir, on est suspendu. Oh non, j'ai la rage. Oh, j'ai la rage, j'ai la rage, j'ai la rage, j'ai la rage. Auteur d'un doublé lors du match Montpellier-Toulouse. Bah, ouais, frérot, face au rival. Ouais, voilà, c'était un match rival là. C'est bien ce que je me disais. Du coup, là, il y a quoi? Activité, victoire dans le derby, se concentrer sur sa pop performance. Parlez aux journalistes en indiquant que vous êtes heureux de la prestation de l'équipe. Dites aux journalistes combien vous êtes heureux. Vous vous réservez toujours pour les derbies. Alors on va dire ça, on va dire ça. Se concentrer sur sa propre performance. Tac, ça c'est fait. Au niveau de la boutique, on va rien acheter pour l'instant. On va continuer d'avancer tout simplement. Oh, on est suspendu contre Marseille en plus. Ah ouais, non, ça fout la rage. En plus, ça sera dans le prochain épisode, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour le prochain épisode très très vite. Ciao !